J'aimerais commencer par remercier mes pasteurs Peter et Mariella. I'd like to start by thanking my pastors Peter and Mariella. Pour m'avoir laissé faire passer du métal dans une église au milieu du service. For letting me play metal in the middle of a church service. C'est aussi pour ça que j'aime bien Liberté, parce qu'on n'a pas peur de casser les codes qui ont été établis par des hommes. That's another reason why I love Liberté, because we're not afraid of breaking the molds that men have made. Donc, merci Peter et Mariella pour votre soutien et votre amour dès le premier jour. So thank you to Peter and Mariella for your support from day one. Ensuite, je dois dire un immense merci à l'artiste qui a créé ce magnifique portrait, Leonardo Vargas. I want to give a huge thank you to Leonardo Vargas. Pour ceux qui ne connaissent pas Leonardo, il est un peintre d'origine colombienne. For those who don't know Leonardo, he is a Colombian painter. Qui vit à Strasbourg depuis quelques années maintenant et dont j'aime vraiment le travail. He has been living in Strasbourg for a couple years now and I love his work. Je vous invite à contempler ses œuvres sur son site internet et à le suivre sur ses réseaux sociaux. So I want to invite you to check out the others of his paintings and canvases on his website and follow him on social media. En fait, Leonardo avait peint deux autres tableaux avant celui-ci. Leonardo had painted two other paintings other than this one. Mais quand j'ai vu celui-là, j'ai eu les larmes aux yeux. But when I saw this one, the tears filled my eyes. L'homme sur la colline était réel. The man on the hill was real. Et il me regardait fixement avec cet œil intense. And his gaze was intense as he looked at me. Il est présent dans ce tableau et je ne pouvais pas rêver mieux. He's really present in this painting and I couldn't have dreamt of a better one. Merci Leonardo d'avoir partagé ton talent. So thank you for sharing your talent with us, Leonardo. Quand j'ai écrit cette chanson, il y a 3 ans, je venais de donner ma vie à Jésus. When I had written this song 3 years ago, I had just given my life to Jesus. Je recommençais ma vie à zéro. And I was starting life over from scratch. Et je vivais encore dans la confusion. And I was still living a very confused life. Mais au milieu de toutes les voix qui me tourmentaient, but in the midst of all the different voices that were tormenting me, je me suis rappelé celle que j'avais entendue l'année précédente dans l'intimité de ma chambre. I remember the one that I had heard that passed the year before in the intimacy of my room. Et qui m'avait convaincu de me tourner vers lui. And that I convinced me to turn to him. Et quand je l'ai fait, and when I did that, j'ai pour la première fois de ma vie eu un avenir dans lequel espérer. I had a hope for my future for the first time in my life. Il me donnait un aperçu d'une nouvelle vie dans laquelle je pouvais vivre en totale liberté. It gave me a glimpse of a future life where I could live in complete freedom. Ce n'était pas qu'une promesse lointaine dans l'éternité. It wasn't just some faraway promise about eternity. Mais j'avais déjà accès maintenant à son abondance sur terre. But it was an abundance to which I had access here on earth. Ces paroles ont totalement pris leur sens quand j'ai regardé la Passion du Christ quelques semaines plus tard. These lyrics, their full meaning, really hit me when I watched the Passion of the Christ a couple weeks after that. Et que j'ai vu la scène décrite dans Luc 23. And witnessed the scene that's described in Luke 23. L'un des brigands crucifié à côté de Jésus qui dit. One of the thieves who's crucified next to Jesus who says. Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour battre moi. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Et Jésus qui lui répond, ce soir tu seras avec moi au paradis. And Jesus answers him saying, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Cette promesse de Jésus m'a profondément bouleversé. This promise of Jesus deeply overwhelmed me. Parce qu'à ce moment-là, sur la croix, because at that time on the cross, alors qu'il porte le poids du péché du monde sur lui, as he's carrying the weight of the sin of the world upon himself, brisé dans son esprit, dans son âme et dans son corps, broken in spirit, in soul and in body, il trouve la force de montrer de l'amour et de donner de l'espoir à un homme que tout condamne. He finds the strength to show love and give hope to someone who everybody condemns. Cette conversation avec l'homme sur la colline, je l'ai aussi eue. This conversation with the man on the hill is one that I also had. Je lui demandais, and I was asking him, comment est-ce que je peux accepter que tu sois mort pour moi? How can I accept that you would have died for me? Comment est-ce que je peux seulement prendre part à ça? How can I take a part in that? Il me répondait que son amour pour moi était plus fort que cette défiguration que je lui avais faite subir par mon péché. And he told me that his love for me is greater than the disfiguration that my sin had brought upon him. Et laquelle j'étais responsable. And for which I was responsible.
C'est là que j'ai vraiment compris l'ampleur de son sacrifice sur la croix. Truly understood the weight of his sacrifice on the cross. Il fallait qu'il perde sa vie pour que je gagne la mienne. He had to lose his life so that I would have mine. Je dis souvent que je fais pas de la musique juste pour faire de la musique. I often say I don't just make music to make music. Ça m'intéresse pas. That's not what interests me. Chaque composition doit avoir un sens, une raison d'être. Each composition needs to have meaning and a reason for being. Mais ce que j'aime par-dessus tout, but what I love the most, c'est qu'en parallèle, is that at the same time, Dieu travaille dans ma vie personnelle à travers chaque œuvre. God works in my personal life through each work that I produce. J'ai passé une majeure partie de ma vie à vivre dans le silence, la peur, l'isolement et le mensonge. I spent the major part of my life living in silence, in fear, in isolation and lies. L'un de ces mensonges auxquels je croyais était que je n'avais pas ce qu'il faut pour chanter. And one of those lies that I've been believing was that I didn't have what it takes to sing. Que ma voix était trop détestable pour être entendue. That my voice was too hateful to be heard. Que de toute façon, je n'étais pas assez courageux pour oser chanter. And that in any case, I didn't have enough bravery to sing. Et qu'il valait mieux que je reste silencieux. And that I would just be better silent. J'ai cru jusqu'au jour de mon baptême, il y a 3 ans, dans ce lieu, ça s'est passé exactement là. I believe that until 3 years ago when I was baptized exactly in this spot. Où Dieu a repris le contrôle de ma vie. Where God took back control of my life. Et a tapé du poing sur la table en disant que ça suffit. And slammed his fist on the table saying that's enough. Il m'a dit que ma voix avait l'importance. He told me my voice was important. Qu'elle était belle à ses oreilles parce qu'il entendait avant tout mon cœur. That it was beautiful to his ears because he heard my heart. Et qu'il voulait l'utiliser pour parler de lui. And that he wanted to use it to speak of him. Donc la chanson n'est pas parfaite. It's not a perfect song. Mais elle n'a pas besoin de l'être. But it doesn't need to be. Parce qu'elle raconte avant tout une histoire de qui il est. Because above all, it tells the story of who he is. Ça a été un chemin si difficile quand Dieu m'a demandé d'exposer ma voix en public. It was a difficult path starting from when God asked me to expose my voice in public. Une démarche qui implique un travail sur les forteresses du cœur. It was a process that asked me to take a look at my heart's strongholds. Et je remercie au passage Don Cripe pour son incroyable ministère. And I'd like to also thank Don Cripe for his incredible ministry. Donc un travail sur la confiance en soi, mais aussi un travail vocal. It was a process working on my self-confidence, but also my vocal technique. Et je veux remercier mon prof de chant, Frédéric Goffichon, pour son aide. And so I want to thank my vocal coach, Frédéric Goffichon, for his help. Donc aujourd'hui, c'est aussi un accomplissement personnel. So today, this has really been a personal accomplishment. Mais la raison pour laquelle je vous raconte tout ça, c'est pas pour que ma musique soit louée. The reason why I'm telling you all this is not so that my music would be praised. Mais pour dire que Man on the Hill n'aurait pas été possible. But to tell you that Man on the Hill would not have been possible. Si Jésus n'avait pas traversé la mort pour venir me chercher au fond des ténèbres dans lesquelles je me trouvais il y a encore à peine 4 ans. If Jesus hadn't gone through death to take me from the darkness in which I was just 4 years ago. S'il n'était pas intervenu, je ne serais pas là aujourd'hui. And if he hadn't made an entrance, I would not be here in front of you today. S'il n'avait pas travaillé au fond de mon âme, if he hadn't worked deeply within my soul, cette chanson n'existerait pas. This song wouldn't exist. Elle est la sienne et je me sens honoré qu'il m'ait choisi pour la chanter. It's his song and I'm so honored that he chose me to sing it. Donc en plus du message qu'elle porte, besides the message that this song has, à travers la façon dont elle a été créée et ce qu'elle représente dans ma vie, which came through the way that it was created and what it has meant in my life. J'ai envie de vous encourager, vous aussi, à inviter dans vos projets. I also want to invite you to invite this person into your plans. Pour qu'il puisse transformer vos vies comme il a transformé la mienne. So that he might transform your lives as he transformed mine. J'aimerais finir par remercier mes patrons. I'd like to finish by thanking my patrons. Qui ont contribué à la réalisation de cette chanson. Who contributed to this song coming into existence. Merci infiniment pour votre soutien, il y en a pas mal qui sont là aujourd'hui. I see many of you here, thank you so much for your support. Voilà, et ceux qui aimeraient aussi devenir patron, je vous invite à vous rendre sur ma page Patreon. If you'd also like to become a patron, I'd like to invite you to check out my Patreon page. Vous pouvez trouver les informations sur ma carte de visite que vous pouvez prendre auprès de Sarah Sade qui se trouve juste ici. And you can actually get all this information on my business card, which Sarah will be distributing at the end of service. Et vous pourrez aussi vous inscrire à la newsletter mensuelle auprès d'elle pour recevoir des infos sur les projets à venir. As well as signing up for my monthly newsletter to hear what my upcoming plans are. Je vais en profiter pour remercier Alexandre Bouscal, qui se trouve juste ici.
That's the image of faking eggs on Blue Sky right over there. Pour son incroyable talent de graphisme sur la carte de visite. His incredible graphic design work on my business card. Aussi sur l'invitation d'événement d'aujourd'hui et le site internet qui sera bientôt disponible. As well as the invitation card that we've been sending out about today and my future website. Donc voilà, j'essaie de vivre de cette musique, mais vous voyez que je peux pas y arriver tout seul. So I'm trying to live off this music, but as you can see, I can't do this alone. Donc toute aide est la bienvenue. All help is welcome. Aussi toute prière pour ce ministère qui est très challengeant. As well as all your prayers for this challenging ministry. Mais qui me passionne tellement. But that is my passion. Mais surtout, je vous attends ce soir à 20h sur YouTube. Above all, I'm expecting to see you guys on YouTube at 8 PM tonight. Pour le lancement de la chanson dans le monde. For the premiere of this song. Voilà, je vous invite à partager la chanson si elle vous a plu. And if you enjoyed it, I'd like to invite you to share it as well. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais juste merci d'avoir écouté. So, I've done a lot of talking, but thank you for listening to me. To the man on a hill, and the tears filling up my